Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un match de Blood Bowl 2 avec mon équipe des hommes lézards, les champions d'Exoatl, engagés dans la compétition du Stager Trophy. Il s'agit du troisième match de poule contre les morts-vivants de Evil Serge, ou Serge le Destructeur pour les intimes. Il joue des morts-vivants. Donc, alors au niveau de l'équipe, là, on a deux momies. J'ai vu deux revenants, deux ghouls, ça fait 6. Un squelette, deux squelettes et trois zombies. Voilà. Et moi, le roster classique, Sisorus, les 4 kings et le Crox. Sigor, voilà. Au niveau des compétences, bah, l'équipe de Serge était plus expérimentée que moi au passage. Donc, je crois qu'elle avait un squelette force 4, un roi, un revenant avec châtaigne et tac, donc un tueur de skink en puissance potentielle. Une momie avec esquive en force, ce qui est plutôt pas mal. Et là, au niveau des ghouls, Serge a eu le jackpot, donc sur l'une d'entre elles. Agilité 4, force 4, plutôt pas mal, un beau colosse, bon, même si ça n'a pas de bloc. Et une ghoul bludgeuse, qui peut être assez chiante à choper sans tacle, voilà. Donc c'est lui qui avait l'engagement, du coup là ça se fait tout de suite. Hop. Donc c'est Serge qui a l'attaque, donc il va commencer ses blocages sur mes sauces. Il fait un double crâne pour commencer, il relance. C'est un poussé derrière. Donc je me mets de son côté si je peux. Ouais. Là il va essayer de faire tomber mes souris. Donc il en touche un. Red Judas qui va se prendre une raclée. L'armure qui tient le choc. Le squelette force 4 sac d'os qui va blitzer ce Saurus. Il prend les deux au sol. Et en plus il sonne tout seul. Donc c'est assez risqué de le faire, même s'il avait 2 dés. Il n'avait pas bloc. Moi je l'aurais pas fait perso, mais pourquoi pas. Turnover. Je relève mes Saurus. J'essaie de me replier un peu. Et là, je me dis, je suis en train de rapprocher un Saurus pour tenter un blitz ici à 3D avec le Crox, comme il a châtaigne. Donc, sur un set d'armure, pourquoi pas. Et un force 3. Malheureusement, je relance tout de suite. J'avoue que je me dis, je vais tenter. Je touche. Tom l'ancien va-t-il douiller? Non. Mais bon, il y a déjà une queue de principe posée sur ce revenant, c'est pas mal. Et là, je commence à me réorganiser un peu. Je sais pas comment il va agir, comme il n'a pas ramassé encore la balle. J'avais pas eu un événement, non. Là, j'ai mis 4 skins, ouais. Donc, lubricate avec tacle plongeant, avec sa deuxième blessure. Plutôt pas mal. Là, il va ramasser la balle tout de suite, donc 2 plus. Ça devrait aller. Il se met au milieu du terrain pour former sa cage. L'autre ghoul en support. Le ballon est en sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire. Il touche. L'armure du Saurus qui tient. Hop, la momie qui se décale. Du coup, la cage est faite. La ghoul est à l'abri à l'intérieur. Là, il va tenter le 1D sur le Crox. Il a pas tort, il la bloque. Par chance, c'est qu'un poussé. Il recule son revenant sur la gauche pour me verrouiller couloir. Tour 2 de mes hommes lézards. Je relève mon Saurus ici. Je me replie. Pour essayer de refaire un semblant de défense. Mes skink, le Crox, tout le monde. Hop. Là, je tente un blitz. Je me dis, je vais essayer de faire choper ce zombie. Je le touche. Je le mets sur le côté. Je perce l'armure. C'est une sonnette. Le zombie est sonné. Rien de plus. J'aurais pu me mettre là, mais ça aurait été inutile parce qu'il suffisait qu'il rapporte du support et autres. Hop, je mets mon deuxième Saurus là. Là, je voulais tenter un poussé sur la momie pour avoir qu'un Saurus sur le dos. Un dépôt. Bon, c'est un peu greedy, mais bon. Comme ça, la momie allait à terre et elle pourra juste se relever et pas faire de dégâts. C'est surtout ça mon idée dans ce plan. Là, son revenant en tueur châtaigne tacle qui forme la cage. Hop, le revenant me pousse en arrière. Il me poursuit pour me coller mes Saurus. Il va me blitzer à son tour avec sa autre momie châtaigne pour me faire tomber. Il touche encore. Mon Saurus est KO. Donc là, il a commencé à faire le trou physiquement parlant. Un force 4 en moins sur le terrain,
de mon côté, ça risque de me poser problème. Tour 3 de mes hommes lézards. Donc là, je suis à moins 1 pour le moment. Ça va, ça pourrait être pire. Bon. Là, je tente un blitz avec mon Crocs sur sa momie. Double crâne. Je relance malgré le solitaire. Je touche à 2 dés. Je reste où je suis. Comme ça, je peux me replacer. J'essaie de faire un semblant de ligne défensive en colonne. Là, je repousse son revenant aussi. À terre. L'armure qui tient bon. J'essaie de pas trop exposer mes skinks. Comme ça, si derrière il y a une tentative de débordement, bah, à 4, il peut faire quelque chose sur un force 3, je pense. Mais sur une momie, hein, c'est sûr qu'il faudrait qu'ils auraient à peine un day encore. Donc là, voilà, la ligne de skin qui est prête. Tour 4 des morts vivants de Serge. Il va tenter de faire le trou là, apparemment. Il va blitzer avec sa goule à J4 force 4, il a raison. Il a 2 dés du coup, avec force 6. L'armure qui tient, il se replie et il va mettre sa cage ici sur la couleur gauche. Et donc sur son couloir gauche à lui et ma droite à moi. Hop, les zombies qui ferment. Donc lui il avait trop aussi une serveuse, hein. Je me souviens plus s'il avait pas quelque chose. Ouais. Moi je l'avais oublié par contre, alors que j'avais des inducements. Donc là ça peut me coûter cher, hein, rien qu'à ce moment là. Allez, tu t'en calmes, on avance, voilà. Il tente le 1D, il se prend les deux au sol. Il me blesse mon Saurus, en plus. Et lui, il est que sonné. Là, je me dis, non, c'est peut-être une commotion, mais si j'ai déjà un 4 de force en moins, je me dis à ce moment-là, si j'ai 2 force 4 en moins, ça va être très très compliqué à gérer sur le long terme. Quitte à perdre un skin dans l'affaire, je préfère prendre le risque. Donc là, je reforme tout de suite une défense sur mon couloir droit. Son couloir de gauche attaque à lui. Hop. Tous les skins vont se mettre en position également. Donc je sais pas, j'ai voulu faire une défense un peu en diagonale pour essayer de l'handicaper un peu. Mon Crocs qui fait un cerf-volant, je garde ma... Je dis pas ma lance ici. Je touche son squelette force 4, un dépôt. Je l'avais un peu oublié que c'était un force 4. L'armure passe, c'est une blessure. Il se prend une commotion, ça va. La régénération qui rate à un point. Ça devait être 4+, bah il fait 3. Là il va essayer de me faire son trou avec sa boule, je pense. Ouais c'est ça, il va faire ça, tac, je pense en diagonale. Il me pousse juste, c'est plutôt pas mal. Je suis désolé si vous entendez un bruit fond de perceuse, c'est qu'à côté mes voisins sont en train de faire des travaux pour rénover leur maison. Donc, si vous l'entendez en vidéo, j'en suis le premier désolé. Donc là ok, tour 5, il commence à mettre du monde, une sorte de défense. Il ramène sa momie pour essayer de coller mon Saurus là, ouais. Pourquoi pas. Ok, tour 5 de mes hommes lézards. Là, j'ai peut-être une opportunité de faire quelque chose sur cette goule bludgeuse. Donc on va réfléchir. Donc là, je remplace tous mes joueurs progressivement. Là, j'annule les supports, par exemple. Je tape son zombie à 2D, comme c'est gratuit. Hop, je recule. J'envoie le Crocs ici pour taper le revenant de... le Chatentac. Essayer de coller cette goule avec ma queue principale. Voilà. Je ramène aussi un souris son support pour suppléer. Là, je remets 2 skins pour aider mon Saurus à repousser cette nuit, voire la tomber. Ça touche, peau nette. Voilà, comme ça, elle n'aura qu'à se relever, elle devra faire un GFI si elle veut faire quelque chose. Et là, je me dis, je mets 2 skins sur cette boule bludgeuse pour voir ce qu'il tente. En plus, avec tacle plongeant sur l'une. Il ramène sa momie ici, il va avoir 2 dés logiquement avec le support du revenant. C'est un poussé, ça va. C'est
Donc là, il va devoir refaire le tour à ce moment du match. Je le retarde un peu comme ça. On défend comme on peut à moins 2. Il tente un poussé, ça passe sur un skink, sur mon skink à 1 dé. Il me poursuit. Hop là, il va clôturer sa cage. Tour 6. Là, je me dis, il y a peut-être un coup à faire sur cette ghoul. Je mets tout de suite un autre skink en support. Voilà, je la pousse. Là, je me dis, je vais taper un peu son revenant, par exemple. Hop, un de moins. Ça libère aussi mon Saurus là. Là, je peux repositionner un peu ma défense. Là, je replie mon skink sans expérience. Et mon Saurus Kars également. Là, je peux taper. Je vois l'opportunité de tomber un squelette à 2D. Je me dis, j'y vais. Hop, armure qui craque. Le squelette est sonné. Crâne épée qui tique, ce qui nous sauve du chaos. Et là, je fais une longue ligne pour cette goutte pour empêcher qu'elle fasse quelque chose. Là, il continue de suivre à la trace mon Saurus avec sa momie. Il fait le tour. Est-ce qu'il va 2 plus 6 net, pépère. Donc là, il va reformer une nouvelle cage au milieu du terrain. Hop, un GFI qui rate. Il va utiliser une relance, voilà. Ouais. Un, ça fait 6, tranquille. Crâne sur le bloc. Et franchement, il s'en sort bien là-dessus, ça aurait pu être pire. Hein. Genre un sonnet, par exemple. Et là, je vois une opportunité de faire tomber cette ghoul, Bloodjaws, hors du terrain. Je la pousse. Allez, au revoir, merci d'être venu, passe partout. C'est la blessure. Donc, plutôt pas mal. Une ghoul Bloodjaws en moins sur le terrain, à ce moment-là, je me dis c'est plutôt cool. En plus de son squelette force 4. Là, je me dis, j'essaie de blitzer sa momie. Je touche. Dans le but de coller sa goule avec ma queue préhensile. Là, j'essaie de faire un semblant de défense pour le bloquer au maximum. Et là, je sais pas, j'ai voulu essayer de le bloquer au maximum en m'emmenant les pinceaux. Mais je crois que je me suis un peu emmené les pinceaux. J'aurais dû foutre mon tacle plongeon ici pour qu'il y ait un blocage plus compliqué. Là, j'essaie de faire un semblant de ligne. J'aurais peut-être pu le faire plus espacé. Là, je mets mon tacle plongeon là, mais je pense que c'était une erreur, j'aurais dû le mettre là. Comme ça, s'il devait retenter une esquive, il aurait eu le malus. Même si c'est moins 1 ou moins 2 de l'autre côté, il aurait été quand même embêté. Là, je rebloque un zombie. Je reste sur place, rien. C'est son tour 8. La momie qui se relève. Il bloque avec son 4, force 4 à J4. Logique. Bon, là, il y a eu un tickage. Ouais, donc là, clairement, c'était des. Bon, GG Rester, il l'a mérité. Je pense que si j'avais repositionné mieux, j'avais mis la goutte. Enfin, le skin tac le plongeon à la place du skin sans rien, sans expérience. Je pense que ça, il aurait eu plus de difficultés. Et je pense que c'était un turnover pour lui, je l'empêchais de marquer. Il a 2 blessés à ce moment du match. J'espère juste que mon KO revient. Malheureusement, il ne revient pas. Donc tour 8 moi. Il mène sur son drive, c'est logique. Donc là il va refaire son placement. Là je me dis je vais mettre un skink ici, sait-on jamais, si j'ai un tour supplémentaire. Sur un malentendu, bien sûr. Et malheureusement, c'est mon adversaire qui gagne une relance. Là je vais faire mes blocages à 2D. Premier zombie à terre sans rien. Je touche le deuxième. Rien non plus. Double crâne, je relance. Peau. Rien non plus. Les trois zombies à terre, aucune blessure. Hop, là je me dis je vais tenter un 3D sur ce dangereux revenant châtaigne table. Si je peux le mettre en détanure, ce serait cool. Je le touche. Voilà, rien non plus. Et là je me dis, je ramasse et je vais peut-être tenter une passe. 3 plus dommage. Et en plus il tente de la récupérer mais raté. De
J'aurais dû mettre le réception ici. Bon. C'est la fin de cette première mi-temps. Serge mène 1-0. Donc il va falloir que les joueurs cravachent de mon côté pour tenter d'aller chercher au moins le match nul, voire la victoire. Par chance, mon dernier sourire revient. J'ai une supériorité numérique de 2, dont un squelette force 4 et une goule de jeu en moins chez lui. Donc là, je commence à préparer mon offensive. Coup d'envoi. Ah bah, tiens, il se prend un rocher. Il s'agit de Terror Steph. C'est son revenant au chat et une tape quoi. C'est un chaos. Bon, tant mieux. Tant mieux comme ça. Bon, on le voit, mieux on se porte. Donc là, je sécurise tout de suite la balle avec 3 skinks. Parce que je me méfie de sa goule force 4 à J4. Ce qui fait que si je mets 3 zones de tacle autour et qu'il tente de ramasser, c'est plus 5+. Donc là, premier blocage, ce qui donne rien. Un poussé seulement. Une patate qui donne rien non plus. Ce Saurus qui tape sur le côté, ça donne rien non plus. Un poussé, ça donne rien. Un autre poussé, ça donne rien non plus. Je crois que ce zombie a eu pas mal de dés en sa faveur. Poussé encore. Incroyable, ce Saurus aurait tenu 6 à 8 dés, je crois, un truc comme ça. Je me dis, je vais tenter de le tomber quand il faut arrêter. Et non, toujours un poussé. Voilà, je me recule, j'ai pas envie de me prendre un truc de momie dans la bouche. Et là, j'ai ramassé avec mon dextérité. Hop. Là, je préfère pas relancer. J'aurais dû le mettre sur la réception, j'aurais plus de chance, mais bon. Là, il remet sa ligne. Il va blitzer avec une de ses momies. Franchement, j'ai de la chance sur ses momies. Elles m'ont fait qu'un KO pour le moment. Il tente un GFI qui loupe. Il relance. Parce qu'un seul gros balai il pousse. Ne suffit pas toujours. Il me poursuit, logique. Et là, il ramène son autre revenant pour essayer de me mettre de la pression. Ouais, il m'a collé quand même, il a collé 3 joueurs, donc on va faire attention quand même. Mais il reste une goule encore qui est bien dangereuse. Ok, c'est le tour 10. Je repousse ce zombie. Pour commencer. Le même qui a résisté, hein. Il a résisté à maintenant moins 10 dés là. Genre d'avarié, tu m'étonnes, il porte bien son nom lui. Là je me dis je vais blitzer sa mouille pour essayer de faire un peu un trou. C'est un pot. Je ne poursuis pas, je reste sur place. C'est un chaos. Une momie en moins sur le terrain, c'est plutôt cool. Ouais. Même si c'est pas la momie qui va en force, qui peut être gênante. Mais bon. Là, un Saurus qui va faire tomber un autre zombie. Rien du tout. Et là, j'ai fait une esquive sans le faire exprès. Je relance pas, pour éviter de gaspiller une relance, tant pis. Ça m'apprendra. La petite erreur d'intention de ma part, ce qui fait bah le zombie est libéré. Là il va me coller ce russe là, bon, si ça l'amuse. Et je pense qu'il a fait un trou. Comme je m'y attendais, il allait faire un trou avec sa goule force 4 à J4. Et là il peut aller me presser. Il tente de GFI pour me coller, logique. C'est un peu risqué, mais bon, ça ramasse, il peut se le permettre. Il fait un 4. Il me touche avec un des blocs, logique. Et il va avancer sa ligne maintenant, il envoie son squelette, ses momies. Donc là, à ce moment-là, en 2 tours, Serge, il a grillé 2 relances quand même. Moi, j'ai voulu jouer un peu la sécurité sur cette mi-temps, comme c'est mon attaque. Je me dis que je pourrais en avoir besoin à tout instant. Il me reste 5 tours, j'ai 3 relances, c'est plutôt correct. Là je vais essayer de mettre le maximum de dés sur la personne sur la goule à force 4 à J4 et tenter de blitzer à 3 dés avec le cross. Comme il faut le double de la force plus 1, donc comme c'est force 4 donc il faut 9 de force, j'ai 3 dés. Je tente une relance pour essayer de la faire tomber. Je me dis je vais tenter de la blesser mais pff, mais non. J'ai fait solitaire, tant pis. Si je peux au moins la foutre en l'air, ça lui compliquerait la tâche pour ramasser. C'est un peu greedy mais bon.
Un dépôt aussi, ça passe. On poursuit. Allez, un squelette en plus. Il tente le 1D, il pousse ce skink. Il tente une esquive, il se loupe. Et en plus avec mon tacle plongeant, donc ça passait pas quoi qu'il arrive. Double 1. KO de la ghoul, là je me dis à ce moment-là de match, il y a une opportunité à faire au niveau contre-attaque, il faut y aller. Hop, on repousse ce Saurus, enfin ce squelette pour faire un trou avec le Saurus, on poursuit. Un des blocs pour, ça passe. De toute façon la balle est sécurisée avec deux personnes. Un nouveau KO de ce Saurus. Un zombie en moins. Ça lui fait 4 KO, là il a moins, il a moins 6. Hop. Et là je le mets là exprès pour le coller, je me repositionne pour mieux le coller, pour essayer de faire un trou après. Là je mets mon crocs en position. Là c'est pareil, je bloque pour éviter qu'il fasse un tour par là. Hop, je forme mon début de cage. Voilà. Je mets quand même mon skin récepte sur là s'il y a un pépin. Je fais un 6, je me mets là en attendant à côté du Crocs. Il tente esquive en force, qui passe. Très bien joué. Un dé, il touche. Enfin, il pousse. Il me colle aussi mon porteur de balle, donc c'est un peu le plan, on va dire. Là, il réussit son esquive à 3+. Il tente un jeu de paquet. Il en retente une autre. Est-ce qu'il va lancer? Il relance quand même. Plus de relance à tour 12. Il avait 3 relances, moi il me reste encore 2 à ce moment-là. Et il ramène son zombie qui est à l'autre bout du terrain, dans son couloir droite à lui, donc couloir gauche à moi, de mon côté. Là je blitz tout de suite le revenant pour le dégager. Les deux au sol. Là je le pousse. Je le mets dans les pattes là. Avec mon croc ensuite je tente de dégager la momie. Un poussé me suffirait. Et je touche quand même. Là je poursuis. C'est une sonnette de la momie. Et là je me dis, j'ai un long couloir pour moi, je traîne pas, je me casse. Avec Adichat bien sûr qui a la balle en main. Je mets une petite sécurité derrière. Donc là je colle un peu tous ces joueurs. Pour essayer de faire un peu plus de dégâts si je peux. Je touche son squelette à 2D, c'est un pot. Un nouveau KO, putain. Hop, ça c'est fait. Donc 5 KO, 2 blessures, donc il y a 4 sur le terrain, je crois. Ouais. On retrouvera peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille. Donc là, je ramène le skin derrière, c'est ton jamais. Un autre skin pour sécuriser. Bon là, il peut. Normalement, il a aucune chance de récupérer la balle, qu'on se le dise. Entre les Saurus là, le mur là derrière, il devra faire le grand tour. Et là il relève son joueur tout simplement. Et là je me dis je vais taper un peu pour essayer de lui réduire encore sa force de frappe. C'est un peu greedy mais ça peut se comprendre. Comme il a quand même une serveuse, je me dis plus il aura de KO mieux ce sera. Donc là malheureusement ce n'est qu'un poussé. Hop. Il me reste 3 tours. Là je me dis j'essaie de fixer son revenant pour le faire tomber. C'est un pot encore. Terror Nold. Rien du tout. Hop. Je pousse juste. Et là je vais vous mettre en pause parce que pour dire qu'à ce moment-là du match, même ça d'esprit, c'était soit je le stallais pour assurer match nul. Mais je me suis d'un autre côté avec tous les dégâts que je lui ai fait, 5 KO et 2 blessures. Ça veut dire qu'il était à 4 joueurs. Donc j'ignorais évidemment en Neufel lui-même sait combien de joueurs il va récupérer. Donc soit j'étais à stallais, mais à ce moment-là du match, je me dis non, je vais tenter la win. Donc là je vais tout de suite marquer. Et voilà. Donc là c'est une égalisation sur mon attaque. Adichat qui marque son deuxième ou troisième TD, j'ai plus le compte exact. Voilà. On va regarder un peu ce qu'il récupère en KO. Il récupère 4 joueurs dont sa goule à force 4H4, mais pas sa momie par contre. Ça c'était très bien au niveau point de vue force.
Donc là, je vous épargne le placement. Là, je mets tous mes souris en première ligne. Comme il n'a plus de renom, je me suis dit, à un moment ou à un autre, Neufeld risque de lui faire une sanction. Hop, il regagne une relance, malheureusement. Enfin, malheureusement pour moi, mais heureusement pour lui. Donc on a une relance chacun, tour 14. Moi, il me reste 2 tours, lui, il en reste 3. Il ramasse tout de suite la balle, il fait un 1. Bon, il réussit quand même à la ramasser, mais il n'osera pas faire de GFI. Et c'est à ce moment-là du match que vous allez comprendre qu'il y a un tournant. En faisant ça, il a complètement laissé libre. Et bah, voilà, déjà ça, le crâne qui paye, boum. Et là, j'ai peut-être moyen d'aller blitzer sa Ghoul Force 4 à J4. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'éloigne juste ce zombie-là. Là, je pousse aussi celui-là. Par contre, je poursuis exprès pour créer un chemin. Alors, je ramène un premier skink, tac le plongeant, ici. Et là, ce Soru va pouvoir blitzer la Ghoul dehors. Et maintenant, il va falloir y prier que Nefeu me fasse un bon. En plus, c'est un pot net. Ouais, il va saluer le public. Un coup de pied dans le ventre, dans la tête, ou ce que vous voulez. Le rebond de la balle, mais lui est favorable, mais aussi à moi, parce que ça me permet de placer mes skinks ici. Ça me permet de passer au moins 2 skinks là. On veut là un. Je place aussi un Saurus là, du coup, ça lui fait un malus de moins 2, je sécurise la balle. Et là, bon, bah là, c'est mon skink d'extérité qui va te faire le boulot. Je fais un premier GFI qui passe. Ramassage, grâce à dextérité. Et là, je me dis qu'il va me falloir faire beaucoup de GFI pour réussir mon coup. Il va me falloir faire 2 encore. Parce que là, je suis à la troisième case, il y a 13 cases. 3, 8, 11 et 2, 13. Donc là, il va falloir faire 2 GFI. Là, il tente un blitz. Et c'est la queue préhensile qui me sauve. Parce que moins 1, ça lui fait 6 plus. Et ça lui fait faire du 3 plus au lieu de 2. Et là, je me dis, non, faut pas traîner. On va marquer, donc je me mets à la limite. Je suis premier GFI. Et deuxième qui passe. Donc un compte bien mené, on va dire. Et merci Neufeld pour t'aider au niveau de la balle. Parce que franchement, si la balle avait été plus loin, j'aurais aucune chance de marquer, je pense. Donc là, c'était plutôt... On va dire que je gagnais un petit peu sur un coup de chat. Donc là, il a toujours 2 blessés. Alors la momie, tu reviens? Ah bah non, la momie elle a envie de dormir. Hein. Je crois que Serge il devrait discuter un peu avec ses momies au niveau quota sommeil parce qu'à mon avis elle dort pas assez. Hein. Après c'est des morts, vous allez me dire que ça dort pas. Mais... Et là je gagne 2 hein, pour le moment. Je mets mes skins en arrière pour éviter qu'ils prennent les mauvais coups. Là je botte tout de suite pour en finir. Nos deux équipes regagnent une relance. Du coup, j'avais 2 renonces à ce moment du match grâce aux événements. Il me pousse. Donc là, il va essayer de bâcher pour se faire des XP. Il ramasse la balle facilement. Il me glisse. Il fait un jeu ici. Un dé, ça pousse. Il reste sur place. Du coup, là, il peut commencer l'effet domino. Mais malheureusement, c'est un double crâne. Et je pensais que, bah, il y avait moins de dés. J'avais pas vu ça comme ça. Donc là, il me poursuit. Il tente un dépôt, ça passe. Voilà. Et là, il tente encore des moins 2 dés pour essayer de grider un peu d'expérience. Bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu risqué pour lui si il tombe sur un crâne. Hop là. Et voilà, c'est la fin de ce match. Donc, victoire 2-1 pour moi. Donc, troisième match, deuxième victoire. Bon, je suis plutôt content. Donc, alors c'est Adichat qui a mis les 2 TD. Notre Saurus Regidus qui a été KO, bah, il a pris le MVP. Et c'est Infinity qui a fait une blessure sur le squelette. C'est plutôt pas mal. Au niveau des GD, on va regarder. Au niveau des D6, ouais, bon, il a fait beaucoup de 1. Ça se voit. Même s'il compense pas mal avec une bonne réussite sur les 4, 5, 6. Les 2 et 3, c'était correct. Au niveau des dés de blocage, il n'a pas eu beaucoup de réussite sur les pots nets, les pots et les pots exclamatifs, donc 15. Par contre, il a fait 16 blocs crâne de au sol, pas mal de flèches. Ouais, donc parce qu'il a peut-être moins tenté d'action aussi, tout simplement. Alors, nous, les champions d'Exoaton, on a fait 34 crânes et des blocages réunis, 37 flèches, beaucoup de poussées. Au niveau des pots et pots exclamatifs, on a 30, donc dans la moyenne, c'est équilibré. Donc voilà.
Je vais juste vérifier une dernière chose. Donc non, j'avais pas de nouveau level up dans ce match. Donc c'est le troisième match. Il nous restera le match contre Taktamo à faire. Je vous le ferai lent. Donc ce match-là, je vous le mettrai lundi qui arrive. Et le match de Taktamo, je vous le mettrai le lendemain. Donc voilà. J'espère que ça tous que ce match vous a plu, cette vidéo aussi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.